Félicitations, Lynn. Merci. Premier dindon à vie. On chasse dans la zone 3. Commence à avoir du dindon quand même pas pire dans notre coin. On se croise les doigts. Ça fait deux jours que la saison est commencée puis on a quand même assez d'action. Fait que c'est un beau Jake-là. Est rentré vers 5h30 ce matin à grand course. On le voit arriver sur la vidéo. Il est monté. Entre le temps qu'il est sorti dans le champ et qu'il rentre directement aux appelants, je pense qu'il s'est passé 3 minutes. Vraiment un beau show. Pis c'est quoi tu disais là par rapport à ça, les plumes? Moi, Lynn, c'est sa première saison qu'elle chasse vraiment le dindon avec moi. Ça fait que j'expliquais quand il était en train de monter. J'ai dit ça, c'est un Jake. Elle dit pourquoi? Ben, c'est les quatre plumes dans le centre ici sont plus longues. Donc, c'est comme ça de même qu'on identifie clairement un Jake pour ceux qui le savaient pas. Fait que ça, on savait déjà que c'était ça. Sauf que je te dois des excuses. Ce beau moment-là a viré en cauchemar au début. Lynn, elle chasse, elle n'aime pas vraiment chasser avec un 12, fait qu'elle chassait avec un 20. On était censé même de chasser à l'arbalète au début, puis on a changé d'idée à la dernière minute. Puis on a pris un 20, mais rien de, en tout cas, extraordinaire. Mais on a fait nos patronages, tout était beau, ça avait l'air d'être correct. Sauf que quand le dindon est rentré dans les appelants, il était à 50 pieds. Moi, j'étais excité, c'est la première fois qu'on vit ça ensemble. Puis, au lieu de faire un son pour qu'il lève le cou, pour qu'elle tire, il est en train de parader, j'ai collé la chope, puis j'ai dit « tire ». Fait qu'elle a tiré, puis le dindon a décarpi, il s'est envolé immédiatement, il a passé tout le champ au complet, puis on l'a perdu de vue. Elle m'a regardé avec un regard que j'avais rarement vu. Puis, on était débinés complètement. Sauf que j'ai regardé la vidéo, on avait filmé la scène, regardé une fois, deux fois, trois fois, puis là, je me suis rendu compte que le dindon, il titubait. De un pas ou deux avant qu'il s'envole, tu voyais vraiment qu'il y avait un problème. J'ai dit, Aline, d'après moi, tu as cassé une patte. Fait que j'ai dit, peut-être qu'il est juste à l'orée du bois, puis on va aller voir. Mais on ne croyait pas le retrouver, hein? Disons que j'ai évalué les chances à 2% avant de partir pour pas qu'elle ait une attente énorme. On est rentré dans le bois, on est tombé direct dessus. Il était caché, il s'est levé le cou, puis bon, là, il a asséné le coup fatal, puis vraiment chanceux. Mais je le dis parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Ça fait que quand vous tirez un dindon puis qu'il part au vol, allez voir, ça vaut peut-être la peine. Tu sais, ce dindon-là, il aurait fini mangé par des coyotes. Ça fait que j'aime bien mieux qu'on l'ait dans notre assiette, nous autres même. Ça fait que c'est ça qui est la belle histoire de ce beau dindon-là. Ça fait que je te souhaite vraiment félicitations, puis je pense que tu as attrapé la piqueuse. Oui, oui, j'aime ça. Vraiment, pour se lever à 3h30 du matin et tout. Regarde, demain matin, on retourne ensemble. Moi, le mien n'est pas récolté encore. On a le doigt rien qu'à un ici par personne. Fait que demain, on va s'amuser. Puis même pendant qu'on fait la vidéo, on entend un dindon qui gobble, puis on le voit. On espère qu'il va être là demain. Ça fait que, sur ça, 100% chasse-pêche, là, c'est... On a parti ce magazine-là parce qu'on est 100% passionné aussi. Puis je pense vraiment que là, tu viens de te découvrir une passion. Oui. Vraiment. Vraiment. Ça fait que sur ça, on souhaite une bonne saison de chasse à tous ceux qui vont tenter de déjouer le dindon sauvage au Québec. Puis on vous dit à la prochaine.